Je me trouve présentement devant le manoir Rubishub à Montréal, où aura lieu le 9 septembre prochain le premier bal érotique. Un événement qui a pour but de célébrer la sexualité humaine et la liberté d'expression. Alors sans plus attendre, je vous propose une entrevue avec le concepteur de l'événement et le DJ invité. Alors DJ Stéphane Lippé, salut. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Alors là, tu es en charge de la section musicale pour l'événement. Est-ce que c'est la première fois que tu inaugures quelque chose comme ça? Pour un bal érotique, oui. Pour de genre de party comme ça, privé, non. Qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce que tu nous faire jouer? Du beat, c'est genre un petit peu à 129-130, bien langoureux, beaucoup de vocales, des paroles un peu plus sexy, osées que la moyenne. Je vais vraiment chercher des tunes qui parlent un peu plus sexe qu'autre chose, mais beaucoup funky vocales. On va voir quoi sur place? Les performances, ça va varier. On va avoir une show de feu fétichiste, on va avoir une performance burlesque, on va avoir un acte de contorsion sexy, on va aussi avoir du body painting en place, avec aussi un vernissage d'art érotique. Mais là, je sais que certaines personnes, par rapport à la sexualité, peuvent avoir des tabous. Quel genre de personnes tu penses qui vont se présenter à ton événement? L'événement, c'est pour quand on veut avoir des personnes qui sont un peu d'esprit ouvert, des personnes qui connaissent leur sexualité, puis ils veulent comme célébrer cet aspect. Comme des personnes, ça peut être des personnes gays, straight, bisexuelles, n'importe quoi, mais des personnes qui veulent montrer que la sexualité, c'est part de leur vie, puis veulent annoncer à tout le monde que ça, c'est un événement qu'on veut célébrer tout ensemble puis avoir une belle expérience tout ensemble. Et là, vos invités vont être excessivement gâtés s'ils se présentent ici. Oui, définitivement. On va avoir des prix de présence aussi. On a deux semaines à Jamaïque, gracieuseté de Hedonism. Aussi, on va avoir des photoshoots à donner, merci de Sanguin photographe, puis beaucoup d'autres prix qui vont être donnés cette soirée-là. Pourquoi cet événement-là plus qu'un autre? Je te répondrai pourquoi pas, premièrement. Deuxièmement, parce que de toute façon, la sexualité, je pense qu'il y en a partout, dans tous les âges, dans tous les milieux, dans toutes les époques, il y en a toujours eu. Même la sexualité ou même ce qui est l'érotisme a été souvent tabou, puis aujourd'hui, plus que l'époque avance, moins que c'est tabou, plus les gens sont ouverts à plein de nouvelles expériences. Fait que je te dirais pourquoi pas. Merci. Bienvenue. La première édition du bal érotique aura lieu ici même au manoir Rubishub le 9 septembre prochain. Pour vous procurer des billets, rien de plus simple, vous pouvez aller visiter le magasin Il Boléro sur la rue Saint-Hubert et également leur environnement web très complet au www.balérotique.com. C'était Maxime Charbonneau qui, sexuellement parlant, vous a proposé ce topo sur whatsappmontréal.ca.